for you, run boy run, they're trying to catch you. C'est un talent incroyable. Mais c'est magnifique. C'est énorme. Vous avez tellement de talent. T'as un niveau, mais t'es là-haut, tu touches le ciel. Qu'est-ce que tu fais là? Tous les artistes viennent d'arriver et on n'attend plus que toi. Vraiment là, dépêche-toi. Ouais, ok, bon, ça marche, à tout à l'heure. On fait patienter le public. Non, non, un Ricard, s'il vous plaît. Votre Ricard, monsieur. Ah, merci beaucoup. C'est bien volontiers. Je vais vous chercher l'addition. Oui, faites, faites. Ah, mon petit lait. Oui, allô? Quoi encore? Ah oui. Oh merde. Non, t'inquiète, je suis sur la route, y'a pas de problème. Dans un quart d'heure. Ouais, dans un quart d'heure, je suis là, pas de soucis. Ouais, j'arrive. Oh, la boulette! Oh là là. Allez, direction Saint-André-Gouldois. Je sois à Saint-André-Gouldois dans 15 minutes pour la finale du foyer à Incroyable Talent. Vous avez pas une solution pour moi? Oui, monsieur, j'ai la solution. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, en route! On fait comment là? On pense en 3 minutes à l'antenne. Oh là là, mais comment je fais? Bon, je vais voir dehors, j'espère qu'il arrive. Ah oh putain! Oh la chute de malade! Ouh, bobo casque! Aïe aïe aïe! Oh là là, la taille!
Bonjour Julia. Non mais t'as vu l'heure? Allez, dépêche-toi, on y va tout de suite. Ah oui. Allez, c'est parti. Allez, vite. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande finale du foyer incroyable Talent. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir après 4 ans d'absence pour notre foyer des jeunes. En 2020, le Covid nous a tous touchés, mais pour nos jeunes gouldoisiens, ils se sont trouvés de nombreux talents. Et ce soir, ils sont là pour vous démontrer quels sont leurs talents. Donc allons voir s'ils sont prêts, et d'ici quelques instants, on vous retrouve sur scène pour un magnifique spectacle. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti dans 10 minutes. On se retrouve dans quelques instants après la pub, le temps que nos finalistes se mettent en place. Donc profitez bien et à tout de suite. Avant, papa n'entendait rien. Alors j'ai pris la meilleure décision. J'ai décidé d'appeler Odysia. Grâce à ce petit appareil, ça lui a changé la vie. Pas vrai, papa? Il n'entendait rien, et grâce à cette petite chose, allez papa, j'y vais. Tu feras attention, j'ai laissé le four allumé. De toute façon, tu l'entendras avec la minuterie. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Maman, pourquoi on mange tout le temps des pâtes? Demande à ton père, mon chéri. Papa, pourquoi on mange tout le temps des pâtes? Eh bien, c'est parce qu'on est pauvre. Ah. Les pâtes, on n'a pas toujours le choix. Par contre, papa a acheté une Merco. Oui. Merco, on s'en fout de ce qu'on mange. Maman, papa, pourquoi à l'école, tous mes copains ils disent que maman, elle a une quéquette? Mange tes pâtes, mon chéri. Les pâtes, on est bien forcé de les manger. Mais à l'école, tous mes copains... On refait le date maintenant! T'as 28 ans, tu mets des salopettes, c'est quoi le délire, là? Oh! Putain! Bon, et tu vois ta mère, là? Bah, c'est mon cousin, en vrai, il s'appelle Jamal, et pour l'aider, voilà. C'est quoi cette période de merde, là? Mange tes pâtes, mange-les! Ferme ta gueule, toi, maintenant, ferme ta gueule! Ferme bien ta gueule, je rigole même pas avec toi! Je rigole pas avec toi, viens! Mange-les!